Ciao les petits loups. Alors là, c'est le grand départ à La Réunion, voilà, toujours à la bourre. On a fait nos valises au dernier moment, comme d'hab. Il est 11h, on a l'avion à midi, on vient d'arriver. Ça a été super nettoyé. Bon. Je suis attaché aux ceintures, ça décolle. Allez, on est dans l'avion. Combien de minutes de retard? Tiens, moi j'avais un peu cheval. Je l'ai coupé hier, regardez, vous en pensez quoi? Tu l'as coupé? Donc là, on a une correspondance super. On doit aller à Paris-Orly alors qu'on est à Charles de Gaulle. Annel, tu peux. Mais Annel. Bref, c'est grave, heureusement. En plus, il fait froid, on est habillé comme ça là. Oh là là. Et de là, on est dans les bouchons, grave. Heureusement que notre avion a du retard. Car sinon, ça aurait été la merde. Annel est dehors. Bon, mais on vient d'arriver après 12 heures de vol, les pires de ma vie. Hein, très, très, très tumultueux. On a failli faire détourner un avion. Hein. Du coup, on est enfin arrivé, il fait super chaud. Et ce soir, c'est Noël. Au soleil. Ça va être trop bizarre. Et on a retrouvé. J'aime mon père. Vous voulez dormir? Et là, on est arrivé à la maison. Donc, petite anecdote, mes parents ont retrouvé la maison dans un sale état. Pourtant, elle est belle là, on arrive et tout, ils ont tout rangé, tout nettoyé. Il faut savoir que là déjà la poncha avait une couche de graisse phénoménale dessus. Là il y avait plein de poils de chien, de chat, c'était insalubre vraiment. Le matelas, je vous raconte même pas le matelas de mes parents, en quel état il était. Un clochard même, il dormait pas dessus. Sinon la maison elle est jolie, on dirait pas. Ma mère elle a tout nettoyé et tout. Il a de jolis clochards. Oui, ben bah, il y a pas tant de solutions. Regarde le petit sapin. C'est qui? On a retrouvé le petit monstre. La petite chambre, on ne sait pas encore laquelle on va prendre. Celle-ci. Trop beau. Après s'être reposé, on fait des boutiques, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire avant de faire les courses? On est trop contents parce que quand on est parti aux Seychelles, on avait ces gaufrettes qu'on mangeait tout le temps. On allait marcher 2 km pour acheter des gaufrettes. Du coup, ben là, on les a retrouvées ici. On fait un président, je pense que c'est Sané qui a inventé ce jeu. Du coup là on fête Noël quoi, c'est trop bizarre. Joyeux Noël, enfin plutôt joyeux réveillon parce que chaque fois les gens me font chier parce que je dis Noël au lieu de réveillon, donc joyeux réveillon pour être pointilleux. Ma mère elle a acheté des ballons pour faire joli. Sauf que le souci c'est qu'il y a écrit Happy Birthday to you. Et du coup regardez, il y a plus. Même si notre plus gros cadeau, oh, bah, c'est d'être ici parce que voilà, on a des petits cadeaux. Bah ouvrez les vôtres. Oui, attends. Montre. C'est qui le patron? J'adore. Vous l'avez trouvé. Je crois que c'est le Benjamin. Oh putain. C'est quoi ça? C'est pour vous deux, hein. Ah, oui, regarde. C'est pour toi, ça. Ah. Je suis de bonne humeur, alors faites pas chier. C'est pour qui? Pour slime. Un maillot encore? Waouh, mon. Il est trop beau, tu l'as acheté où? Je sais pas, c'est le Père Noël. Oh putain, mais tu sais que j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Et à Auchan, bah, il a chopé Papa Noël. Papa Mota. Alors c'est quoi? Oh, c'est ça. Je peux pas, j'ai pas en air. Pour tes grands-parents. La princesse des râleuses, la reine c'est ma mère. Oh. Wow. Du coup là on va voir les tortues. Elias. C'est magnifique. Oh ça va Elias, on a dit. Là, on va manger au Manta. Oh, quel beau tatouage, Elias! Il y a
génial. Risque de présence de requins. Oh, du jet ski, je vais faire du jet ski. Là, on va à la cascade. On va dans des cascades, c'est les trois cascades, c'est ça? Les trois bassins, voilà. Donc c'est complètement interdit, mais bon, tout le monde le fait, vous voyez. Voilà, et bon, tout le monde y va, tout le monde. Il fait 75 degrés. Personne. Je suis pas très sereine, mais bon. Quoi? Toi, quoi? Tu veux que je te prenne ta sacoche? Oui. Attention, tu vas tomber dans l'eau là. Je t'en fous. Quoi que tu vas crier. Je me fais éclater par les moustiques. Voilà, ce qui s'est passé, Cassie a voulu monter sur le rocher tout en haut. Donc j'ai essayé d'attraper et je l'ai griffé. Merci beaucoup. Je vois rien. Moi je fais pas, moi je dis que je fais pas. Oh merde, ça y est. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai dit rien. Moi je dis que je l'ai pas non plus. J'ai attrapé. Alors moi j'ai pris un magret rossini, je l'aime trop. On a fait des pétards. On a imbriqué. Tu vas voir les cucarachas ce soir. On va niquer du cafard. On va mettre la culotte, tu vois. Bon, mais aujourd'hui on va faire une petite balade. Hein, t'es content? On va faire une petite balade. On est passé sur l'eau, on a aidé des gens à soulever leur voiture. Regardez comme tu vois, les gens ils se baignent là. Ah, il est chiant. Regarde. C'est belle mon amour. Qui c'est qui a marché dans le caca? Mais c'est pas moi. Oh putain. Je t'aime trop. C'est trop facile avec toi. Bon, faudrait goûter, mais c'est des crottes de... Oh mais t'es dégueu toi. Y'a yon yon à la maison, y'a yon yon. Dans la maison de 7. Non mais non, 270 c'est Caris. Alors aujourd'hui, grosse randonnée. On va découvrir un peu l'île. On part avec mes amis et mes parents. Donc c'est parti.
Mon père il fait le muscle. On se régale avec Alias. Check de petits bras. Chin. Ça y est, c'est la fin du monde. Il y a eu un petit événement tragique. Alors, je vais aller chercher. Là, t'es pas demandé, t'es vraiment ça. Il joue avec mes nerfs. Tu peux baisser son la musique de merde, s'il te plaît. Pas du tout. Il essaie d'aller dans ma chambre et tout, donc je l'ai empêché parce qu'il voulait tout défoncer dans la chambre. Et en fait, du coup, bah, je me suis assis sur son pied parce qu'il était sur ma chaise. Ah, donc, moins de 3 heures et que vous verrez cette vidéo sûrement 3 semaines après le temps que je la monte. Maman, regarde, c'est pas nous. Non, 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 même je peux faire la gamme. N'aime pour ça. Mais non, tu sais, t'abîmes tes dents. Nous sommes le 1er janvier 2020, donc il est 1h du matin, c'est pas une heure pour se réveiller. Le lendemain d'un 1er de l'an, sachant qu'on s'est couché quand même à 4h30, complètement déphasé, sauf que jamais il a une otite, une grosse otite qui l'a réveillé le pauvre, donc je l'accompagne avec mon père. Pharmacie, on est le docteur de garde. Donc enfin rentré de la pharmacie, Benjamin est tout guéri. Bah t'es presque guéri, enfin en tout cas tu vas mieux, t'as plus mal à l'oreille. J'ai archi mal. C'est vrai? Oui, j'ai une otite. Et du coup, il y a la musique encore. Ouais, on va danser. Wouhou! Il y a que des hippies ici, c'est que des. Avec des grands rastages que fesses. On a l'impression c'est Garou Rock. Pouf. Alors, comment vous expliquer la situation? Déjà, je suis trop contente parce que je viens de voir encore des feux d'artifice. On est le 2 et il y a encore des feux d'artifice tous les soirs. En fait, tous les jours, il y a des feux d'artifice, c'est un truc de malade, c'est génial. Rien que pour ça, j'adore la réunion. Aujourd'hui, nous n'avons rien fait du tout parce que Benjamin a une otite. Mais quand je dis une otite sévère depuis hier, et le pauvre, il a même vomi aujourd'hui tellement il a eu mal. Du coup, j'étais à la maison toute la journée pour rester avec lui et rester avec l'autre zinzin qui est sur la Switch toute la journée. Le zinzin n'était pas fameux non plus. Mais bon, mes parents sont partis au resto tranquille et tout. Moi, je suis restée là. Ce soir, c'est restaurant sans Benjamin parce qu'il est malade, le pauvre. Ouais, vomi. Il a vomi en plus encore. Mmh. Mes parents s'en vont. Non, c'est un mariage. Vous entendez, tous les vendredis, c'est mariage. Ah, Elias, maman et papa s'en vont. Bye bye, ciao. Nous, on reste 2 jours encore. Benjamin, il a une grosse otite, le pauvre. Il est en PLS. Il a tout le côté du visage qui est gonflé. Viens voir, Doudou. Bon, mais là, ce soir, on est au petit restaurant, un peu nostalgique parce que nos parents nous ont quittés. Hein. Du coup, on se console avec un bon gros resto sa mère. C'est beau, bébé, mais montre à tout le monde l'otite que t'as. Je t'en supplie parce que tout à l'heure, j'en ai parlé, mais du coup, on n'a pas vu. Vous voyez, il a la tête déformée, le pauvre bichon. Avancez mes enfants, n'ayez pas peur. Donc là, on est à Saleux, là. Regardez mon joli parapluie. Et on a acheté des détectives. Dis comment t'as acheté les détectives. Alors, il a acheté des blackjack. Et on a gagné dans 2 et on a pu acheter des détectives. Wouhou ! Il y a que des charbons dans cette ville. Regardez le prix du gasoil, là. Mais comme en France, hein, vous. Aujourd'hui, dans Enquête d'Action. Nous suivons Léna, sauveuse d'animaux. Elle va tenter de sauver cet oiseau. C'est un échec. Léna ne baisse pas les bras. Qu'est-ce que je fais ? Léna se pose des questions et se demande comment agir face à la petite bête en détresse. Alors Léna monte sur son escabeau. Mais elle se rend compte qu'elle est un peu trop courte. Elle décide d'apeurer la bestiole. C'est un échec. On va monter en haut, hein ? On va pas monter en bas, mon ami. Là on était à Saint-Pierre et en fait on n'a rien trouvé pour manger et on est même parti d'un restaurant tellement c'était à chier la carte, ça sentait le vomi à l'intérieur. Et là du coup on s'est retrouvé dans un restaurant thaïlandais, Namasté il s'appelle. Et on joue à la pelote. Bon bah c'est le grand départ. Voilà. J'ai mon petit Pikachu pour aller dans l'avion.
Wow, c'est le choc thermique là. Je vais rester à la maison. Ouais, je suis partie comme ça, ouais. Voilà, donc là c'est la fin du voyage. Terminado. On rentre à la maison.